Les cinq inséparables compères de La Vérité si je mens étaient à Bordeaux lundi dernier pour présenter ce troisième volet. Passant par toutes les salles de tous les cinémas du coin environ 3 minutes, aucune présentation à la presse n'a été faite. On le comprend mieux quand on voit la réalisation à l'écran, assez pauvre en originalité, tant sur le scénario que dans les répliques d'humour, reprenant quasiment toutes celles qui ont déjà fait recette. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Pour elle ce soir, elle attend qu'une chose, c'est que tu chantes vous les femmes, elle est comme une folle, et hein, vous les femmes. Tu me prends pour lui, Iglesias? Moi, c'est tant qu'il y aura des femmes. Ah, c'est ça, madame. J'ai jamais eu un seul contrôle de toute ma vie alors qu'ils auraient pu me coincer 50 fois. Putain, tu pouvais pas embaucher des déménageurs? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le bureau qu'il y avait dans ta chambre? Ils se démontent pas. Ah, c'est ça, oui, je t'avais dit pas forcément. Et là, ma deuxième ville, c'est Bordeaux, Mais la soirée fut largement compensée par leur présence, à grands coups de... Attention, 1, 2, 3, yeah! Tu peux me rendre un grand service, sûr? Une fois que t'es là-bas. Déconne pas. Ah oui, non, ça va, je suis bien changé, oh. Tu veux gagner de l'argent, écoute-le. Et on partage à 3, 50-50. 50-50 à 3. Bah et oui, moitié. Un film qui sera une petite détente en famille, sans non plus chercher à réchauffer les esprits.